Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais une vidéo avec un titre un petit peu accrocheur, mais avant toute chose, qui suis-je pour vous dire comment faire fortune? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi faire fortune? Alors pour moi il y a deux choses bien distinctes. Déjà, être riche, pour moi c'est différent de faire fortune. Alors ici, s'il vous plaît, on ne va pas parler de la richesse de nos cœurs ou la richesse de quoi que ce soit, je vais vous parler ici de finances. Donc dans cette très courte vidéo, déjà faisons la différence entre richesse et fortune. Pour moi, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui dispose d'un capital d'argent et voilà, il n'y a pas forcément d'actifs, donc c'est-à-dire des choses qui vont lui rapporter de l'argent tous les mois. Et à l'inverse, être fortuné, pour moi, c'est quelqu'un qui a des rentrées d'argent qui sont supérieures à ses dépenses et qu'il ne doit plus surveiller ses dépenses en fonction de ses envies, puisque la plupart du temps, nos choix sont guidés bien évidemment par nos envies, mais sont limités par notre budget, notre pouvoir d'achat. Alors, qui suis-je pour vous dire comment faire fortune? Alors, auparavant, je partageais mes revenus, je disais combien est-ce que je gagnais, tout simplement par transparence. Maintenant, je remarque quelque chose, c'est que certaines personnes, ça va les inspirer, d'autres personnes, ça va les frustrer. Et honnêtement, ben voilà, si je ne sais pas mesurer l'impact de ce que je vous dis, ben je ne le dis pas. Donc, qui suis-je pour vous dire comment faire fortune? Ben, moi-même, aujourd'hui, j'ai tout simplement des rentrées d'argent qui sont supérieures à mes dépenses et qui me permettent de… j'ai pu quitter mon job, je peux faire ce que je veux, je peux voyager à travers le monde et vivre là où est-ce que je le désire. Je fais un métier maintenant qui m'anime à 100% puisque gérer un business, c'est pas seulement des gains, mais c'est aussi une vraie activité. Et moi, personnellement, j'adore faire ce que je fais. Donc, qui suis-je pour vous dire ça? Ben, moi-même, aujourd'hui, j'ai tout simplement des rentrées d'argent qui sont supérieures à mes dépenses. Alors déjà, la plupart du temps, les personnes qui essayent de faire fortune font déjà des erreurs qui sont communes à tout et à chacun. C'est-à-dire, la première erreur, c'est de vendre son temps. Peu importe le prix auquel vous vendez votre temps, c'est-à-dire que si vous êtes salarié, vous vendez votre temps entre 7 et 15, 20 euros de l'heure généralement. Et par contre, les personnes qui se disent « Bah oui, mais moi, si je deviens par exemple coach et que je vends par exemple du coaching 100 euros de l'heure, je vais gagner forcément plus. » Oui, mais c'est pas comme ça que vous allez faire pour moi fortune. Puisque gagner beaucoup d'argent, entre guillemets, pour un entrepreneur qui sait comment faire, c'est facile. Maintenant, il y a une deuxième condition, c'est est-ce que ça respecte votre liberté financière? C'est-à-dire que si vous avez un job en effet qui vous rapporte pas mal d'argent mais qui ne vous intéresse pas ou qui vous prend toute la journée, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus aucune énergie, pour moi, devenir fortuné de cette façon, c'est pas la meilleure possible. Et enfin, quelqu'un qui souhaite être fortuné mais qui est dans son business, c'est-à-dire qui est indispensable à son business, eh bien au final, la personne ne pourra jamais revendre son entreprise puisqu'elle est indispensable au développement ou au maintien de son business. Donc bien comprendre que si vous êtes dans votre business, eh bien forcément vous ne pourrez pas le développer aussi bien que si c'est simplement la propriété, si simplement vous avez la propriété de votre business et que vous investissez dedans. Donc on va en parler au travers de cette vidéo et je vais vous faire un réel retour d'expérience sur aujourd'hui moi-même comment est-ce que j'ai fait. Première possibilité, l'achat-revente. Ça peut être de l'achat-revente d'entreprises, de produits financiers ou encore de biens immobiliers par exemple. Mais surtout, comprenez bien quelque chose, c'est que si aujourd'hui la plupart des gens, quand je leur dis il faut créer un business si tu souhaites être indépendant financièrement ou libre financièrement, la plupart du temps les personnes me disent oui mais je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment faire. Si vous n'avez pas d'argent tout simplement pour faire fortune, pour vous lancer une entreprise, c'est très simple. Dans notre maison, on a souvent une tonne de choses qu'on n'utilise absolument jamais et auxquelles on ne tient pas forcément. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre ces choses, les vendre et récupérer le peu de finances que vous avez pour l'investir, pour tout simplement vous lancer dans la création d'entreprises, dans l'achat et la revente de produits financiers ou tout simplement l'achat ou revente de biens immobiliers. Même chose dans le domaine de l'immobilier, j'entends beaucoup de personnes me dire je n'ai pas d'argent. Au final, l'immobilier, il ne faut pas réellement énormément de capital puisque vous pouvez emprunter sans capital. Donc, bien comprendre une chose déjà, c'est que toutes les barrières psychologiques que vous avez à propos du montant initial d'investissement, c'est que la plupart du temps, il est proche de zéro puisque on peut se le créer puisqu'il est seulement nécessaire très peu de choses ou une certaine situation. Par exemple, pour emprunter dans l'immobilier, acheter des biens immobiliers et les mettre en location ou les revendre plus cher. Alors, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est très simple. Vous souhaitez par exemple créer un site web en dropshipping, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin en fait de posséder de stock, mais vous faites tout simplement livrer directement le producteur directement à votre client et en fait vous n'êtes que tout simplement l'intermédiaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent avancé. Alors bien sûr que si, il faudra créer votre site web, créer un site e-commerce aujourd'hui en dropshipping avec Shopify, ça coûte moins de 500 euros tout compris avec la pub, etc. Donc si vous n'avez pas 500 euros,
N'essayez pas de vous lancer dans le business, puisque à mon sens, quelqu'un qui veut se lancer dans le business, c'est quelqu'un qui prend un minimum le temps de mettre un petit peu d'argent de côté. Vous avez également plein d'autres types de business. Moi, je pense particulièrement au business en ligne, puisque c'est des business qui demandent très peu d'investissement de départ, comme des blogs ou des chaînes YouTube, qui coûtent la plupart du temps, toute la création du business confondue, moins de 100 euros à la création. La deuxième grosse opportunité de notre siècle, c'est tout simplement de pouvoir vendre des services très facilement. Ce que je vous recommande, c'est tout simplement de créer par exemple une application mobile ou vendre de la formation en ligne ou alors ouvrir par exemple une agence de coaching. C'est à mon sens, de ce siècle, les choses les plus faciles à lancer. Vous souhaitez lancer par exemple une application mobile, ça coûte généralement moins de 5000 euros, tout compris pour la mettre en vente. Et vous la créez une seule fois et pourtant vous encaissez les ventes de toutes les ventes de par exemple d'abonnement à votre application mobile ou toutes les ventes de l'application mobile en elle-même si vous la vendez en une seule fois. Je parle également de création de formation en ligne. Alors vous allez me dire, formation en ligne, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Sachez que si vous vous dites, ok, est-ce que la formation en ligne ça fonctionne? Sachez que c'est un marché mondialement qui représente plus de 1000 milliards de dollars. Donc toutes les personnes qui me diront, est-ce que ça marche la vente de formation en ligne? Vous avez la réponse en statistique. Maintenant, vous avez également, par exemple, une agence de coaching. Alors là, encore une fois, vous allez me dire, ok, mais ça veut dire que je dois recruter des salariés, etc. Encore une fois, la réponse est non. Ce que vous pouvez faire, c'est recruter des prestataires. Quelle est la différence entre un prestataire et un salarié? C'est très simple. Un salarié, vous êtes obligé de le payer tous les mois, quoi qu'il arrive, même si vous ne faites pas de bénéfices. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un prestataire? Un prestataire, c'est quelqu'un que vous allez payer à la mission. Prenons un petit exemple très concret et très simple à mettre en place. Admettons que vous entendez parler autour de vous de personnes qui auraient besoin de coaching, par exemple, dans le domaine du sport. Eh bien, vous encaissez tout simplement l'argent des coachings en disant, vous allez bénéficier d'un tarif très avantageux si vous réservez à l'avance le coaching pour vous aider, par exemple, à perdre du poids, retrouver la forme ou prendre du poids, justement. Eh bien, du coup, vous allez encaisser l'argent sans même avoir encore donné le coaching et seulement après, vous recrutez des coachs et vous allez leur donner une grande commission comparée à ce que vous avez encaissé. Par exemple, si vous faites payer 30 euros de l'heure, eh bien vous prenez donc les 30 euros et ensuite vous reversez 20 euros au coach en question et le coach va faire son travail. Et donc vous n'aurez pas avancé d'argent et vous aurez gagné 10 euros simplement en disant à quelqu'un, est-ce que tu souhaites un coaching entre guillemets avec tel coach? Donc retenez bien que selon moi, les plus grandes opportunités de ce siècle se situent dans la création d'agences de coaching, la création d'un service à abonnement payant et la vente de formation en ligne. Donc maintenant, je vais vous donner un plan d'action concret en 5 étapes que vous allez pouvoir reproduire vous-même en démarrant avec très peu d'investissement financier. Alors déjà, la première étape, c'est tout simplement de développer vous-même votre service. Admettons que vous lancez un produit ou un service, ce que je vous recommande, c'est au départ de travailler vous-même pour votre business. Pourquoi ? Pour comprendre comment les gens utilisent votre service ou votre produit et comment tout simplement l'améliorer, augmenter la clientèle. Mais vraiment comprendre quelque chose, c'est que dès le départ, vous allez devoir mettre les mains à la pâte si vous n'avez pas d'argent à investir. Donc, vous travaillez vous-même sur votre service et votre produit, vous l'améliorez, vous le facturez plus cher et ensuite, vous déléguez. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, vous avez compris que quelqu'un, par exemple, qui souhaite X ou Y chose, c'est-à-dire un besoin profond, puisqu'il faut comprendre que plus vous allez aider quelqu'un profondément à résoudre un besoin et plus il va être prêt à payer cher, eh bien, une fois que vous avez compris ça, vous créez des produits ou des services qui répondent à des besoins qui sont profonds et intemporels. Je vais vous expliquer quelle est l'importance justement de créer un produit ou un service qui va répondre à un besoin intemporel. Ça va être principalement pour la cinquième étape à propos de l'encaissement de très gros bénéfices. Je vais vous en parler juste après. La deuxième étape concerne l'augmentation de vos différents produits et services autour de votre produit le plus vendu. Admettons que vous avez une entreprise et vous vendez par exemple du dépôt de cailloux dans des propriétés. Donc, vous avez une entreprise qui vient et qui dépose des cailloux dans des propriétés. Eh bien, ça, c'est votre produit qui se vend le plus. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement proposer des services qui vont entourer l'achat de votre produit le plus vendu. Par exemple, si vous vendez le plus une paire de gants, eh bien, ce que vous allez pouvoir faire, c'est par exemple effectuer un service de maintien du cuir. Ensuite, vous allez pouvoir proposer, pourquoi pas, des produits qui, pour les personnes, vont pouvoir prendre soin de leur cuir à domicile eux-mêmes sans utiliser justement ce type de service que vous vendez. Donc quoi qu'il arrive, augmentez tout simplement les dépenses de vos clients dans votre entreprise. Troisième étape, augmentez les paiements récurrents. Alors vous avez une entreprise, parfois vous avez des hauts, parfois vous avez des bas
Et aujourd'hui, si vous souhaitez revendre une entreprise plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions, vous devez comprendre quelque chose, c'est que les racheteurs d'entreprises veulent des entreprises avec des revenus plus ou moins stables. Alors comment faire pour avoir des revenus plus ou moins stables avec votre entreprise? C'est relativement simple, vous devez développer en fait des produits ou des services à paiement récurrent. Vous savez, ces entreprises qui vont livrer par exemple un coffret tous les mois. Alors par exemple aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle la Mentor Box, c'est tout simplement quelques livres qui vont être sélectionnés, qui vont être envoyés tous les mois à des entrepreneurs avec à l'intérieur des livres ou des objets pour les entrepreneurs. Et bien vous pouvez faire ça pour tous les types de clients. Par exemple, vous envoyez un coffret tous les mois avec des magazines ou des choses comme ça ou un abonnement télévision. Voilà, ce sont ce type d'entreprises qui sont les plus recherchées par les acheteurs. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer de nouveaux services à abonnement. Une fois que vous avez compris ça, votre seul but doit être d'augmenter vos abonnements récurrents. Plus vous avez de personnes qui ont des abonnements récurrents et qui sont abonnées à vos produits et services, plus vous allez augmenter la valeur de votre entreprise. La valorisation de votre entreprise, ça va être l'un de vos secrets pour, encore une fois, faire fortune, puisque aujourd'hui, tout simplement, les acheteurs recherchent des entreprises avec des revenus récurrents sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour investir. La quatrième étape consiste à faire appel à des avocats fiscalistes qui vont vous conseiller sur l'optimisation fiscale de votre business et également des comptables qui vont faire de la défiscalisation et de l'optimisation de vos dépenses. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de limiter énormément les coûts de votre entreprise. Et du coup, forcément, qui dit une entreprise avec moins de coûts, dit une entreprise avec plus de bénéfices. Et du coup, ça va encore une fois vous permettre de deux choses. Déjà, une, d'encaisser plus de cash pour vous, plus de cash flow, plus de marge, plus de bénéfices. Et du coup, forcément, davantage vous enrichir. Et ensuite, la cinquième étape, ça va être la revente de votre entreprise. Une fois que vous avez compris ces cinq étapes, c'est-à-dire la création d'un business et la délégation, l'augmentation des produits et des services, le développement de services en abonnement et de paiement récurrent, l'optimisation fiscale et comptable de votre business et la revente de votre entreprise, c'est réellement comme ça que vous allez pouvoir atteindre des niveaux de réussite financière qui sont astronomiques. Pour ma part, je n'ai jamais autant atteint des niveaux financiers aujourd'hui qui sont, à mon sens, intéressants en faisant exactement ce plan d'action concret. Donc, je ne peux que vous recommander ça. Et aujourd'hui, si vous posez la question, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, je vous invite vraiment à arrêter de vous poser toutes les questions du monde et à vous lancer, puisque le temps où vous ne passez pas à l'action, des autres le font. Utilise les idées que vous avez peut-être et développe des business pendant que vous réfléchissez encore. Donc, passez à l'action. Et si aujourd'hui, vous êtes un petit peu hésitant sur la création d'entreprise, vous retrouverez dans la description de la vidéo et sur le lien qui apparaît juste ici, une série de 6 vidéos offertes qui vont vous expliquer étape par étape comment créer une entreprise qui rapporte. Pour ma part, j'ai créé 10 business exactement sur ce même business model. Je vous l'explique de A à Z totalement gratuitement. Ça se passe dans la description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.